Et voilà qu'il s'élance pour cette épreuve, le prix au-delà des pistes, le prix de la reconversion des chevaux de course, avec un excellent départ de l'as Aladdin de Guillet qui a pris devant l'épreuve, qui est ensuite du numéro 5 et du numéro 2, Bouton d'Or Stamper qui continue à faire la marche, enfin le numéro 4, Clogan 17, termine le peloton pendant qu'ils avancent de plus en plus avec l'as Aladdin de Guillet qui compte maintenant 15, 20, 30 de longueur, il est déjà quasi au milieu du tournant final. Il y a ensuite le numéro 5 suivi de Bouton d'Or Stamper et Lucas Crow. Suivent ensuite Clogan 17 et Joy. Pendant que Aladdin de Guillet continue son avance, il passe au milieu devant l'église, au milieu du tournant final. Il va compter maintenant presque une trentaine, quarantaine, cinquantaine de longueur d'avance sur ses concurrents. Suivi du numéro 5 et du numéro 2. Bouton d'Or Stamper qui sont au coude à coude à la fin du tournant. Suivi ensuite de Clogan 17 et Joy. Aladdin de Guillet qui continue d'avancer, monté par son partenaire Edo Lavaille. Il est maintenant au niveau des tribunes. Ensuite au coude à coude, le numéro 2, Bouton d'Or Stamper, ainsi que le numéro 5, Aladdin de Guillet, donc qui s'approche de plus en plus et qui va remporter cette épreuve de bout en bout et plaisamment. Ensuite aussi au niveau des tribunes, le numéro 2 et le numéro 5 à la lutte coude à coude, suivi ensuite de Clogan 17. Pendant que le numéro 3 se détache, Joy va remporter, suivi du numéro 2, Bouton d'Or Stamper et Lucas Crow qui avait tenté de prendre le départ, et Clogan 17 monté par Louis Garnet va terminer sous les ovations du public avec son Irish Table. Beaucoup de plaisir.